Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. 51e chapitre. Krishna fuit le champ de bataille. Quand Muchukunda, l'illustre descendant de la dynastie d'Ikshvaku, eut reçu la faveur de Sri Krishna, il entreprit dans la caverne une marche circulaire autour du Seigneur et sortit. Quelle ne fut pas sa surprise? Devant lui, il voyait des hommes, des arbres, réduits à une taille ridicule. Muchukunda comprit qu'il s'était réveillé dans l'âge de Kali. Aussi, sans laisser détourner son attention, se dirigea-t-il vers le nord. Il parvint à une montagne connue sous le nom de Gandhamadana, où on trouvait nombre d'arbres précieux comme le santal et d'autres fleurs. Leur arôme mettait en joie le cœur de celui qui atteignait ces lieux. Muchukunda pensa que cette région serait propice à l'accomplissement d'austérité pour le reste de son existence. On peut la situer dans la partie la plus septentrionale des Himalayas, où se tient la demeure de Naranarayan. Encore aujourd'hui, ces lieux existent et sont connus sous le nom de Badarik Ashram. Parvenu donc à Badarik Ashram, Muchukunda, oubliant joie et peine, ainsi que toutes les dualités de ce monde, s'engagea dans l'adoration de Sri Krishna. Ce dernier, quant à lui, avait repris le chemin de Mathura, où il combattit et fait périr un à un tous les soldats de Kalayavana. Puis, il rassembla en guise de butin toutes les richesses dont s'ornaient les cadavres et qui, chargés sous sa direction sur des chars à bœufs par des Hercules, furent transportés jusqu'à Dwarka. Entre-temps, Jarasandha avait de nouveau attaqué Mathura, cette fois à l'aide de divisions militaires plus lourdes, 23 Akshohini. Il fallait sauver Mathura du 18e assaut. Mais Krishna voulait éviter les morts inutiles et avait à s'occuper d'autres affaires de grande importance également. C'est pourquoi il abandonna le champ de bataille sans combattre. Non, Krishna ne connaissait pas la crainte, mais il jouait le rôle d'un homme ordinaire, effrayé à la vue du nombre prodigieux des guerriers de Jarasandha et de ses grandes ressources. Sans armes, Krishna fuit le champ de bataille. Bien que ses pieds et la douceur fragile des pétales de lotus, il parcourut à pied une fort longue distance. Cette fois, Jarasandha pense que Krishna et Balaram, terrorisés par sa puissance, fuient le champ de bataille. Et il les suit, escortés de tous ses chars, de tous ses chevaux et de toute son infanterie. Croyant voir en eux des hommes comme les autres, il veut prendre la mesure de leurs actes. On désigne parfois Krishna sous le nom de Rangachor, celui qui a quitté le champ de bataille. En Inde, notamment dans la province du Gujarat, on trouve de nombreux temples de Krishna, dits temples de Rangachorji. D'ordinaire, un roi qui a quitté le champ de bataille sans combattre est qualifié de lâche. Mais Krishna en a fait un de ses divertissements, digne de l'adoration des Bhaktas. Les Asuras cherchent toujours à mesurer la puissance et l'opulence de Krishna, non les Bhaktas, qui préfèrent s'abandonner à lui et l'adorer. En marchant sur les traces des purs Bhaktas, il nous sera donné de savoir que Krishna, Rangachoraji, ne s'est pas enfui du champ de bataille poussé par la peur, mais bien parce qu'il poursuivait quelque autre but. Ce but, comme il sera révélé, était de répondre à un message intime de Rukmini, celle qui deviendra sa première épouse. En quittant le champ de bataille, Krishna déploya en vérité l'une de ses six excellences. Il est suprême en puissance, en richesse, en renommée, en sagesse, en beauté et de même en renoncement. Le Srimad Bhagavatam dit clairement qu'il renonça en quittant le champ de bataille à user des puissances militaires considérables qui le soutenaient. D'autre part, même sans milice, il aurait pu à lui seul vaincre l'armée de Jarasandha comme il l'avait déjà fait à 17 reprises. Pour ces raisons, le départ de Krishna nous donne un exemple de son excellence dans le renoncement. Quand ils eurent suivi de l'armée ennemie parcourée de très longues distances, les deux frères donnèrent des signes de lassitude. Et pour soulager leur fatigue,
ils gravirent une très haute montagne dont le sommet s'élevait à plusieurs milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer et qu'on connaissait sous le nom de Pravalsana à cause des pluies constantes qui s'abattaient sur elle. Les derniers pics en étaient toujours coiffés par les nuages d'Indra. Jarasandha, convaincu que les deux frères, effrayés de sa puissance, étaient cachés au sommet de la montagne, s'efforça tout d'abord de les y retrouver. Il les chercha pendant longtemps, mais en vain, et décida, pour finir, d'un piège. Il les ferait périr en allumant un feu autour du pic de la montagne. Tout autour, il répandit de l'huile qui l'enflamma. L'incendie montait toujours plus haut, et Krishna et Balaram sautèrent du sommet jusqu'au sol, une hauteur de 142 km, échappant ainsi aux flammes sans que Jarasandha, dans l'embrasement général, pût les voir. Il conclut que les deux frères avaient été réduits ensemble, inutile donc de poursuivre le combat. Croyant voir tous ses efforts couronnés de succès, Jarasandha quitta la ville de Mathura et repartit dans son royaume Magadha. Krishna et Balaram, de leur côté, gagnèrent Dwarka, la ville entourée par la mer. Dans les temps qui suivirent, Sri Balaram épousa Revati, la fille du roi Revata, gouverneur de la province d'Anartha. Ces faits sont relatés dans le 9e chant du Srimad Bhagavatam. Baladev marié, à son tour Krishna épousa Rukmini, fille du roi Bhishmaka, gouverneur de la province de Vidarbha. De même que Krishna est Dieu, la personne suprême, Vasudev, Rukmini est la suprême déesse de la fortune, Mahalakshmi. Selon l'autorité du Chaitanya Charitamrita, les émanations de Krishna et de Srimati Radharani sont simultanées. Krishna se multiplie en d'innombrables formes Vishnu Tattva, Srimati Radharani par sa puissance interne en d'innombrables formes Shakti Tattva, qui sont les multiples déesses de la fortune. Les règles védiques admettent 8 sortes de mariages. La meilleure procédure veut que les parents des futurs conjoints décident eux-mêmes de la date du mariage. Puis, quand il s'agit d'époux royaux, le fiancé se rend dans la demeure de sa future épouse où, en présence des brahmanas, des prêtres et des proches, il la reçoit comme un don de charité. Il existe d'autres formes de mariage, celles des Gandharvas et des Rakshasas, par exemple. Rukmini fut unie à Krishna dans le style Rakshasa, par enlèvement. Il l'emporta au nez de ses rivaux, Shishupal, Jarasandha, Shalva et d'autres. Rukmini était offerte à Shishupal lorsque Krishna l'arracha dans l'air même du mariage, tout comme Garuda ravit aux Asuras le pot de nectar. Rukmini, fille unique du roi Bhishmaka, resplendissait d'une exquise beauté. On l'appelait aussi Ruchiranana, celle dont le beau visage s'épanouit comme une fleur de lotus. Les dévots de Krishna brûlent toujours du désir d'entendre les actes sublimes du Seigneur. Le combat, l'enlèvement, la fuite, tous ces actes situés au niveau absolu sont sublimes, immatériels, et les bhaktas éprouvent un immense intérêt spirituel à les écouter. Le pur bhakta ne fait aucun partage entre les activités du Seigneur. Il ne prétend pas que certaines doivent être entendues et d'autres évitées. Il existe cependant des prétendus bhaktas, appelés Prakita Sahajya, qui portent le plus grand intérêt à la rasa lila de Krishna avec les gopis et négligent ses luttes et ses combats. Preuve d'ignorance, au niveau absolu où elle se situe, son hostilité envers ses ennemis et son amitié envers les gopis sont d'un égal sublime. Les divertissements sublimes de Krishna que décrit le Srimad Bhagavatam sont goûtés par les purs bhaktas à travers une écoute soumise. Pour rien, ils n'en négligeraient le moindre détail. Mais comment se fit donc le mariage de Krishna et de Rukmini? Le roi de Vidarbha, Maharaj Bhishmaka, était plein des plus hautes qualités. Père de 5 fils, il n'avait qu'une fille. Son premier fils s'appelait Rukmi. Le second, Rukmarata, le troisième, Rukmambahu, le troisième, Rukmamali, et le cinquième, Rukmakesha. Leur sœur avait reçu le nom de Rukmini. Belle et chaste,
elle convenait parfaitement à Shri Krishna. Des saints et des sages comme Narada Muni et d'autres venaient souvent visiter le roi Bhishmaka dans son palais. Tout naturellement, Rukmini eut l'occasion de s'entretenir avec eux et ainsi apprit à connaître Krishna. Elle connut ses six excellences et ce qu'elle entendait de lui suffit à faire naître en elle le désir de s'abandonner à ses pieds par Lotus et de devenir son épouse. Krishna lui aussi avait entendu parler de Rukmini. Réservoir de toute qualité sublime, l'intelligence, l'esprit libéral, l'exquise beauté, la vertu, il pensa qu'elle était digne de devenir son épouse. Toute la famille du roi Bhishmaka et ses proches décidèrent eux aussi que Rukmini devrait être donnée en mariage à Krishna. Mais son frère aîné, Rukmi, sans tenir compte de la vie générale, intrigua pour qu'elle épouse Shishupal, un ennemi juré de Krishna. Lorsque la belle Rukmini, aux yeux de jade, apprit son nouveau destin, elle se sentit envahie de tristesse. Mais elle était fille de roi et connaissait les voies de la diplomatie. Pourquoi s'abandonner à une vaine tristesse? Plutôt passer à l'action sans tarder. Après avoir posé la question, elle décida de faire parvenir un message à Krishna afin de n'être pas trompée. Elle choisit pour émissaire un brahmana qualifié. Un véritable brahmana est toujours fidèle à sa parole et dévoué à Vishnu. Aussitôt, il partit pour Dwarka. Lorsque le brahmana fut aux portes de Dwarka, le garde le conduisit devant Krishna, qui siégeait sur un trône d'or. Pour avoir été choisi comme messager de Rukmini, le brahmana eut la fortune de pouvoir contempler Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, la cause originelle de toutes les causes. Le brahmana est le maître spirituel de tous les varnas. Shri Krishna, pour enseigner à tous l'étiquette védique du respect des brahmanas, se leva aussitôt et lui offrit son trône. Lorsque le brahmana eut pris place, Shri Krishna l'adora avec les gestes mêmes qu'on les déva devant lui. Ainsi, il enseignait à tous qu'adorer son dévot a plus de valeur qu'adorer sa propre personne. Au moment convenable, le brahmana prit son bain, ses repas, puis s'allongea sur un lit recouvert de douces soirées. Comme il se reposait, Shri Krishna s'approcha du lit en silence et avec le plus grand respect, posa sur ses genoux les jambes du brahmana qui se mit à masser. Ainsi parut Krishna au regard du brahmana. « Cher brahmana, lui dit-il, j'espère que tu observes avec aisance les principes de la religion et que ton mental se trouve dans une perpétuelle sérénité. » Les membres des différents varnas exercent des professions différentes et celui qui s'enquiert du bien-être de son interlocuteur doit, pour ne pas le troubler, le faire en s'inquiétant d'abord de son occupation. La paix du mental est nécessaire au développement des qualités de véracité, propreté, équanimité, maîtrise de soi et tolérance. Car par la connaissance des causes premières et de leur application pratique dans l'existence, l'homme devient convaincu quant à la nature de la vérité absolue. Le messager brahmana savait que Krishna était Dieu, la personne suprême, mais il en accepta malgré tout le service respectueux par souci d'observer les règles védiques. Dans son rôle d'être humain, Krishna appartenait au Kshatriya. Pour cela, et aussi à cause de son jeune âge, son devoir lui enjoignait de faire montre de respect à l'égard du brahmana. Shri Krishna poursuivit. « Oh, le meilleur des brahmanas, reste dans la satisfaction, car le brahmana toujours satisfait en lui-même ne dévie jamais de son devoir prescrit. Et par là, par l'adhérence en toutes circonstances au devoir prescrit, comme chacun, mais de façon privilégiée, il peut atteindre la plus haute perfection, le niveau où tous les désirs sont comblés. Même avec l'opulence d'Indra, roi des planètes édéniques, l'insatisfait devra inéluctablement transmigrer d'une planète à une autre sans jamais connaître le bonheur. Mais celui dont le mental baigne dans la paix vivra heureux n'importe où, même privé de sa haute position. » Ces instructions de Krishna au brahmana sont lourdes de sens. Elles rappellent qu'un véritable brahmana, en aucune circonstance, ne doit être troublé. Dans notre âge, dans le Kali Yuga,
Les prétendus brahmanas ont accepté la basse position des shudras, ou pire encore, sans vouloir pour autant abandonner leur titre et leur réputation. Mais à vrai dire, le brahmana qualifié s'en tient toujours à ses devoirs propres et n'acceptera jamais ceux du shudra. Que dire alors des devoirs du moins que shudra? Les écritures authentiques permettent qu'un brahmana, dans des circonstances difficiles, assume les devoirs d'un kshatriya ou même d'un vaishya, mais jamais d'un shudra. Shri Krishna proclamait ainsi que jamais un brahmana, s'il observe avec scrupule les principes religieux propres à son varna, ne sera troublé devant des conditions d'existence défavorables. Pour conclure, il ajouta « J'offre mon hommage respectueux aux brahmanas et aux vaishnavas, car les premiers trouvent toujours en eux-mêmes la satisfaction et les seconds sont engagés sans cesse en des actes bénéfiques pour la société des hommes. » Brahmana et Vaishnava sont les meilleurs amis des hommes. Tous deux sont libres de tout égoïsme et leur mental baigne constamment dans la sérénité. Shri Krishna voulut ensuite être informé de l'action des administrateurs chargés du royaume, les Kshatriya. Les citoyens étaient-ils tous heureux? C'est par le bien-être de ses sujets qu'on juge l'aptitude à régner d'un souverain. Quand tous sont heureux et satisfaits, alors on sait que le roi est honnête et accomplit ses devoirs comme il se doit. Krishna affirme qu'un tel roi lui est très cher. Bien entendu, Krishna se doutait que le brahmana était devenu porter un message confidentiel. Si tu n'y vois pas d'obstacle, je te permets de parler de ta mission. Ainsi, pleinement comblé des divertissements sublimes qu'il partageait avec le Seigneur, le brahmana lui conta toute l'histoire. Il prit la lettre de Rukmini. « Mon cher Krishna, ô toi l'infaillible, toi dont nul ne surpasse la beauté, tout être humain à qui l'occasion est donnée d'entendre décrire ta forme et tes divertissements sublimes absorbe aussitôt par audition ton nom, ta renommée et tes attributs. Ainsi se dissipe en lui toute souffrance matérielle et il établit ta forme en son cœur. » Par l'amour sublime pour ta personne, il te voit toujours en lui, et tous ses désirs sont par là comblés. Moi aussi j'ai entendu tes attributs sublimes. Est-ce effronterie si je m'exprime de façon si directe? Mais tu m'as captivé, tu as ravi mon cœur. Peut-être as-tu quelques méfiances car je suis encore jeune et non mariée. Peut-être as-tu quelques doutes sur ma constance. Mais ô Mukunda, tu es parmi les hommes le lion souverain, la personne suprême. Toute jeune fille, même encore sous le toit de mon père, toute femme, même la plus chaste, désirerait t'épouser, captive de ta valeur unique, de ton savoir, de ton opulence et ton excellence. Je sais que tu es l'époux de la déesse de la fortune et aussi d'une grande bonté envers tes dévots. C'est pourquoi j'ai décidé de devenir ta servante éternelle. Ô Seigneur, je voue mon existence, mon âme à tes pieds pareils au lotus. J'ai choisi ta grâce pour époux et telle est donc ma requête. Accepte-moi pour épouse. Tu es l'être le plus puissant, ô toi dont les yeux sont pareils au lotus. Désormais je t'appartiens. Quelle dérision si le chacal prenait en sa gueule la proie destinée au plaisir du lion. Je t'en prie donc, protège-moi avant que Shishupal ou quelque autre prince de son espèce ne m'enlève. Ô Seigneur, peut-être ai-je dans le cours de ma vie passée accompli des actes de bienfaisance, comme de forer des puits ou faire pousser des arbres, ou bien ai-je montré de la vertu par l'accomplissement de rites et de sacrifices, ou par le service rendu au maître spirituel, au brahmana et au vaishnava. Ainsi, ai-je peut-être réussi à plaire à Narayan, Dieu, la personne suprême. Si c'est vrai, alors mon vœu est que toi, Shri Krishna, le frère de Shri Balaram, tu viennes en ces lieux et me prennes par la main, que tu m'épargnes d'être touché par Shishupal et par sa cour. Le mariage de Rukmini et de Shishupal était déjà prévu dans le détail. C'est pourquoi Rukmini suggère à Krishna un enlèvement, forme rapide, capable de renverser d'un coup la situation. On connaît ce genre de mariage dans lequel la jeune fille est ravie de force sous le nom de Rakshasa.
il est pratiqué par les kshatriyas. Ainsi, puisque son mariage était prévu pour le lendemain, Rukmini suggérait à Krishna de venir sur les lieux incognito, de l'enlever, puis de combattre Shishupal et ses féaux comme le roi de Magadha. Rukmini, sûr que nul ne pouvait vaincre Krishna et qu'il sortirait donc victorieux de la lutte, lui adressait sa requête en le nommant Ajita, l'invincible. Qu'il ne craigne pas que des membres de sa famille et des femmes soient blessés ou tués si le combat se déclenchait dans le palais même. Tout comme un roi habile prépare des voies diplomatiques pour réaliser ses desseins, Rukmini, fille de roi, fit usage de diplomatie en suggérant un moyen d'éviter ce vain et indésirable massacre. Elle expliqua au seigneur qu'une tradition familiale propre à son lignage voulait que l'on rende visite au temple de la déesse Durga avant toute union dans le mariage. Les rois kshatriyas étaient pour la plupart de fermes Vaishnavas, adorant Sri Vishnu soit dans la forme Radha Krishna, soit dans la forme Lakshmi Narayan. Et pour renforcer leur aisance matérielle, ils avaient pour usage de rendre également un culte à la déesse Durga. Jamais cependant, ils ne tombèrent dans l'erreur, comme firent des intelligences plus médiocres, de considérer les devas égaux du Seigneur, situés au niveau du Vishnu Tattva. Ainsi, afin d'éviter le vain massacre de ses proches, Rukmini suggérait que l'enlèvement serait plus facile sur le chemin réunissant le palais et le temple de Durga. Il expliqua également à Krishna pourquoi elle désirait si fort devenir son épouse, bien qu'officiellement promise à Shishupal, fils d'un grand roi et tout à fait digne selon les règles de l'épouser. Rukmini, dans sa lettre, disait qu'elle ne tenait personne pour plus grand que Krishna, pas même Shiva, que l'on nomme aussi Mahadev, le plus grand des devas. Shiva lui aussi cherche à satisfaire Shri Krishna pour qu'il le délivre de son empiègement dans l'ignorance, Tamogun. Lui, le plus grand des Mahatmas, garde sur sa tête les eaux purifiantes du Gange qui coulent dans l'univers matériel à travers un orifice percé dans son enveloppe par l'orteil de Shri Vishnu. Shiva régit le Tamogun et pour se garder au niveau spirituel, il médite sans cesse sur Shri Vishnu. Rukmini savait donc parfaitement combien il est malaisé d'obtenir la faveur de Krishna. Si pour ce faire, même Shiva devait se purifier, combien plus difficile serait la chose pour elle, simple fille d'un roi kshatriya. Elle voulait donc vouer sa vie à la pratique d'austérité sévère comme le jeûne et la privation de confort corporel. Et si ses actes ne lui permettaient pas de gagner la faveur de Krishna en cette vie même, elle était prête à les réitérer existence après existence. Il est dit dans la Bhagavad Gita que les purs dévots du Seigneur accomplissent le service dévotionnel avec la plus grande détermination, celle-là même dont fit montre Rukmini Devi. C'est l'unique valeur qui puisse acquérir la faveur de Krishna. C'est la seule voie qui mène au succès ultime dans la conscience de Krishna. Après avoir transmis à Krishna les paroles de Rukmini, le Brahmana conclut. Mon cher Krishna, chef de la dynastie Yadu, je t'ai apporté ce message secret de Rukmini. Il est entre tes mains, la réponse t'appartient. Une fois posée la question, tu pourras agir à ta guise, mais que ce soit alors sans retard, car le temps se précipite. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 51e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Krishna fuit le champ de bataille ». Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.